What's up guys, mon nom c'est Jin aka Jinjin. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai plein d'activités, donc je vais vous vlogger ma journée. Je viens d'arriver au centre de la nature pour un marché de Noël. Je vous amène avec moi. Ils sont tellement bons, ces petits foyers là. Grillés sur le charcoal. Ouh! C'est vous qui les avez décorés? Wow. C'est de l'or la décoration, ouais. C'est vraiment beau. Doux s'il vous plaît pour moi. Du marché de Noël, laissez-moi retoucher un peu mon make-up. La neige a commencé à tomber. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir notre première tempête de neige. Puis j'ai eu des gouttelettes qui me sont tombées sur le visage. Bref, j'ai acheté quelque chose au marché de Noël. J'étais pas sûre d'acheter. Comme disait souvent ma mère, regardez, ça coûte rien. Je suis allée plus pour regarder d'abord. Puis je me suis dit, s'il y a quelque chose qui me plaît vraiment, je vais l'acheter. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'étais avec ma copine Edith, avec qui j'ai fait du yoga tout l'été. Elle aussi a acheté des beaux petits trucs là. Elle a acheté des trucs de bain là, des bombettes avec un petit savon. Moi j'ai acheté ça, guys. Je trouve que oh, ça sent tellement le ciel. C'est comme un genre de... C'est de la compagnie Silk and Soak. From Montreal. Ok. Détente, bien-être, tranquillité. C'est comme un genre de cube vapeur que tu mets dans ta douche. Je trouve que ça fait un super beau cadeau d'hôtesse, ok? Ça sent vraiment... Ça sent le spa. Tu mets ça dans ta douche, tu le suces pas dans ta douche. Oh my God, je peux vraiment l'ouvrir. Ok, ouais, je peux l'ouvrir. C'est comme tu mets ça dans ta douche, ok? Tu l'accroches, puis dans le fond, ça va aromatiser ta douche, puis ça va faire comme si tu étais au spa. C'est comme un genre de gros cube, là. Oh, si vous étiez là pour sentir! Trop, trop bon. Ça sent vraiment le ciel. J'aime bien aller au spa, me détendre... Donc ça, c'est une des choses que j'ai acheté. En fait, après ça, j'ai acheté un genre de fromage grillé. Ça, c'était très bon aussi. Fait que j'aime bien visiter les marchés de Noël, encourager les artisans locaux. Et ça me donne des idées. Là, tu sais, je suis comme moi, j'ai envie de prendre un cours de savon. J'ai envie de prendre un cours de macramé. Ben, j'ai déjà pris un cours de macramé, mais ça m'a donné des idées de trucs que je veux faire en macramé aussi. Fait que là, il est midi 28. Pour ma journée d'excursion... J'ai pris le temps de me préparer un lunch parce que je savais que j'allais être outside aujourd'hui, j'allais outside. Mais j'ai pas très faim parce que j'ai mangé mon gruau il y a pas longtemps. Là, je vais aller chercher ma copine. On s'en va. D'ailleurs, d'abord, il faut que j'aille mettre du gaz parce que sans gaz, j'irai pas nulle part. Et ensuite, je vais chercher ma copine, une autre de mes copines. On s'en va au Eco Museum. Qu'est-ce que je trouve qui est vraiment nice, c'est que faire tous ces genres d'activités-là, ça me permet de vraiment comme maintenir le cap et de rester active puis d'être dehors. Comme mine de rien, j'ai marché 522 pas seulement. Je pensais que j'avais marché beaucoup plus que ça. Bref. Je trouve que ça m'aide à bouger un peu, à être actif, à sortir de la maison. Mine de rien, oui, il y a un peu de neige. J'ai mis deux chaussettes, j'ai mis deux pantalons. Je me suis bien habillée, foulard, gants, tout ça. Je suis bien. Fait que c'est ça que je trouve qui est nice. Puis là, au Eco Museum, je vais marcher encore davantage. Et on est supposé voir des animaux. So, yeah, ça va être quand même nice. Je vous emmène avec moi, je vous emmène avec nous. Tu peux marcher. On est arrivé à l'Eco Museum. Il y a bien de la neige aujourd'hui. Et
je sais pas si les animaux vont se cacher, mais à ce qui paraît, nous a informé qu'ils se cachent plus quand il fait chaud. Fait qu'on est quand même chanceux, ça c'est une bonne journée aujourd'hui. À date, on n'a pas encore vu aucun animal. Hein? Et je pense que ça a l'air quand même assez bien balisé. Je sais pas si on a pris le bon chemin, mais bon. Pourquoi il y a des gens qui viennent à sens inverse? D'après moi, c'est l'autre chemin qu'il fallait prendre. T'en vois? Il y a des animaux là. Où ça? Je vois que dalle. Ils ont la même couleur que la végétation, c'est ça l'affaire aussi. Où ça? Ah oui! C'est le renard au roux, mais il est mort. Montre-moi votre face. L'affaire est pas sous mon bord. Ah, elles sont trop mignons. Un beau petit labyrinthe à faire ici, très très fun. On arrive comme des fous là-dedans. On peut dire que j'ai la tête de l'homme pour elle, c'est ça qui a la tête de l'homme. Your best surprise, and I'm fine.
On s'en va à l'atelier Marjorie prendre un petit goûter après notre journée à marcher dans le froid. Après ma journée à marcher dans le froid. Donc, je vous amène avec moi. On va aller manger des petits desserts, prendre un petit thé, un petit café. On a une réservation pour 5h. On est arrivé un petit peu d'avance. Là, il est 4h37. Aïcha est allée voir s'ils ont de la place pour nous recevoir parce qu'elle a quand même plein à craquer. Cet endroit était dans ma bucket list depuis un bon petit bout. Fait que je suis contente qu'on y va enfin. Puis aussi pour le muséum, ça a pris à peu près 1h30 là-bas. On a pris notre temps. Puis vraiment, c'est un beau petit parcours là. Pas mal à plat. Puis vraiment convivial pour les parents avec les poussettes. Pour 5h, il y a vraiment pour 5h, il n'y a pas de place, hein? Ouais, il n'y a pas de place. Moi qui suis en train de continuer le vlog en attendant. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je paye le stationnement et puis après ça, on va marcher? Ouais, on peut faire ça, comme ça. Je ne sais pas vers où on est là. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Parce que ça peut être chaud. Première tempête de neige à Montréal! Un gros 30 cm demain matin qui va tomber sur nous là. Ouh! Est-ce que t'es prête? Moi je suis pas prête. Check-moi qui est supposé être en supposé diète. On va aller manger des gâteaux là. Non, non. À l'atelier Marjorie. On veut vous donner nos impressions. On est sur le chemin du retour avec la première tempête à Montréal. 30 cm attendus entre la nuit de dimanche à lundi. Aïcha, ouais. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à l'atelier Marjorie? Parle fort que le blog t'entend bien. Non, en vrai, c'était hyper beau. C'était... Oh merde, les gâteaux. Oh non! On s'apprête à critiquer les gâteaux sont tombés. Ça, c'est pour nous dire fermez votre gueule. À vous, hein? Non, mais ça, c'est le karma, ça. Non, ok. Ta note, vraiment ta note sur 10, tu donnes combien? Moi, sur 10, je mettrais quand même un bon 7 sur 10. 7 sur 10? Ouais. Et toi? Moi? 6 sur 10. Ça passe, 10. Ça passe seulement parce que. Pourquoi ça casse? C'est à cause du prix. Ouais, parce que ça revient. Je trouve que c'est abusé parce que c'était $35 par personne. Alors qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gâteaux, mais justement, ils devraient laisser... Parce qu'en vrai, là, c'est comme si tu n'avais pas le choix. C'est que tu prenais les $35 et c'est comme ça. Et c'était ça. Tu n'avais pas ça. Le choix. Effectivement. Effectivement. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de gâteaux. Il y a au moins 7 gâteaux. Donc, c'est comme une attrape-nigo dans le fond, ce qu'ils te disent. Venez manger des gâteaux et savourer le thé chez nous. Vous allez avoir un décor enchanteur, super girly, parfait. Mais... Par contre, attendez-vous à payer la totale. Tu es obligé de prendre le combo, le tea time, qui a 6 gâteaux. Il y avait combien de gâteaux? Choux à la crème, éclair, 3 macarons, on est rendu à 5, un cupcake et quoi d'autre? Il y avait un autre truc, celui que moi j'avais pris là-haut. Ah oui, avec le truc à la pistache, un éclair. Donc 7 gâteaux,
qui inclut donc trois macarons, donc des petits trucs là, quand même, tout ça pour 35$ plus taxe. My God, il fallait tourner à droite pour aller chez vous. On est perdu. Mais tu peux me laisser là, je peux m'arrêter là et marcher. C'est juste bon. Là-bas. Fait que dans le fond, on est plus ou moins satisfaites là. Hein. C'est ça qu'on voulait dire. C'est beau pour le décor, faire des photos, des vidéos, mais ça coûte extrêmement cher. À moins que tu prennes pour emporter. C'est ça. À moins que tu prennes pour emporter, là, tu peux t'en sortir à moindre coût. Voilà. Alors, ceci est ce qui clôture le vlog d'aujourd'hui. C'est juste ça qu'on avait à partager avec vous, nos impressions. On a plus ou moins aimé. Quand même, j'ai passé une super bonne journée d'activité. La prochaine fois, je pense qu'on va aller à Illumi. Donc, c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo de cette journée dans ma vie. Et on se revoit dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes. Oh, en passant, guys, je pense que j'ai fait au moins 10 000 pas. Ouais, j'ai atteint les 10 000 pas. 6 km. C'était ça le but. Même si que j'ai atterri à manger des gâteaux, mais quand même, j'en ai une boîte que je ramène pour les garçons à la maison. Ils vont être super content avec cette boîte de gâteaux. Je pense que j'en ai mangé deux ou trois. Un macaron avec deux gâteaux. Puis le reste, j'amène ça pour les garçons. On se revoit dans une prochaine épisode de Jin Jin Good Vibes. Oh là là.